aujourd'hui parce que je voudrais vous faire connaître, si vous ne connaissez pas déjà, le jeu de l'alphabet. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de l'alphabet? Le jeu de l'alphabet, c'est de prendre chacune des premières lettres donc de l'alphabet, enfin de toutes les lettres de l'alphabet, et de trouver un mot qui ait un sens vibratoire très fort, très profond, par exemple comme A, amour, D comme divin, Z comme zen, enfin bon bref, qu'il va renfermer quelque chose qui va vous mettre en joie, J comme joie, j'ai comme générosité, gratitude, etc. Des mots qui vont vraiment éveiller en vous quelque chose de positif, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous ramener, en tout cas tous vos sens, à quelque chose de haut et de quelque chose de vibration élevée. Alors, ce jeu, on y joue comment ? Alors, moi, j'aime bien m'amuser quand je sens que je commence à avoir quelque chose qui ne va pas très très bien, que quelque chose tourne pas rond, que je sens mes énergies un petit peu descendre, qu'on me parle et que les gens autour de moi ont des mots qui, justement, ont des vibrations plutôt basses. J'aime m'amuser à me répéter mon prénom et utiliser donc les lettres de mon prénom pour me ramener à moi tous ces mots qui me semblent avoir des vibrations beaucoup plus hautes. Et du coup, ça va vibrer dans mon corps, c'est comme un mantra, hein, comme des phrases affirmatives, et ça va me permettre de récupérer de l'énergie. Et puis un autre jeu que je fais, justement, quand on me parle avec des mots un petit peu à connotation négative, et bien justement, je vais regarder autour de moi et si mon regard se porte sur, je ne sais pas moi, une publicité ou quelque chose où il y a des lettres, je vais prendre ces lettres et je vais essayer dans la conversation de mettre ces petits mots à la puissance un petit peu plus élevée pour justement injecter de l'énergie dans cette conversation et faire que les choses vont changer. Puis il y a encore autre chose que l'on peut faire, vous allez voir, c'est rigolo. Vous savez, j'adore les heures miroirs, j'adore voir les plaques d'immatriculation aussi avec les chiffres qui peuvent se suivre, les 111, etc. et tout, mais aussi les lettres. Qu'est-ce qu'on en fait des lettres? Et ben, j'utilise ces lettres et souvent il y a le Z, et ben, je me dis reste zen, puis le L, liberté, légèreté, etc. Et je me dis tous ces mots et ça vient vraiment insuffler toute cette merveilleuse énergie dans mon corps. Ah, et me donner un petit peu de souffle, un petit peu de respiration, quelque chose qui va un petit peu plus me dynamiser. Et voilà, et m'élever au niveau vibratoire. Donc voilà, c'est un petit jeu, c'est une petite astuce. Je vous encourage à y jouer, à vous faire déjà vous. Prenez l'alphabet, prenez les lettres de l'alphabet, essayez de trouver des mots aux hautes vibrations, essayez de les répéter, voir ce que ça fait. Amusez-vous, et puis dans les conversations, pareil, ou en tout cas en fonction de ce que vous voyez, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, je vous laisse maintenant jouer, à vous de jouer les Anandiens. Et puis si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à contacter mon site internet www.anandarayi.fr. Appelez-moi, consultez-moi, Reiki à distance ou en direct dès que l'on pourra à nouveau, stage, et puis voilà, soins énergétiques sous guidance. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas, je vous embrasse du fond du cœur et surtout amusez-vous au jeu de l'alphabet. À très bientôt. Énergie d'amour vers vous. A comme amour.